Aïe bobo tout le monde, ou sous Découvrir TV et ou suivi un coup de chien. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons faire un coup de chien sur celle grain blanc qui est une chance signée avec l'indépendance pays. Je vais parler de Pierre-Nicolas Mallet alias Mallet Bon Blanc. Ça a étonné un peu le monde, mais il y a plusieurs blancs qui ont participé dans la révolution haïtienne. Nous avons cité la Frédinière dans la ville Campérin qui était soldat dans l'armée Gifrala, ou bien Véret qui a bataillé dans l'armée Pétion. Mais parmi tous les blancs, la famille Mallet occupait une place à part. Depuis 1760, la famille Mallet a fait non-li dans Saint-Domingue comme blanc qui avait des gens qui ont esclavagé aux batailles. Dans l'époque, c'était trois frères, Jean-Pierre, Charles et François. Pierre-Nicolas Mallet lui-même, il a fait coteau dans la zone sud pays. Malheureusement, pas de trop d'informations sur lui. Nous pas qu'à dire ni qui l'a fait, ni qui est-ce qui parle. Il y a une information qui t'a fait connaître, avant la bataille d'indépendance, Pierre-Nicolas Mallet a eu une plantation dans la zone Tiburon. Il dit tout, c'est sa famille Laurent Ferrou. Laurent Ferrou, c'est un gros portoricain garçon qui a participé dans la bataille d'indépendance et c'est un homme qui a signé avec l'indépendance. C'est en bas de Ferrou, Pierre-Nicolas Mallet a participé dans la bataille d'indépendance. Après avoir entendu fin rédiger avec l'indépendance, Pierre-Nicolas Mallet a eu un monde qui a signé. Il a signé avec le titre officier de l'armée. C'est seul grain blanc qui a signé avec l'indépendance. Après la mort de Saline, Pierre-Nicolas Mallet a participé dans l'élaboration de la Constitution 1806. Même année, ça, il a été aide de camp général Pétion. Les Pétion mourir, il a été aide de camp général Boyer. En 1827, Boyer a été le commandant Miragouane. Un petit temps après, il a été commandant tout arrondissement. Dans l'année 1842, même année tremblement de terre a été détruit au Cap-là, Pierre-Nicolas Mallet a pris un grade général brigade. Mais malheureusement, il n'a pas fait un peu de temps dans le poste à cause du mouvement révolution qui était gagné dans la zone contre Boye. Pierre-Nicolas Mallet, alias Mallet Bon Blanc, va mourir dans l'année 1846. Il va l'enterrer dans le fort réfléchi dans la ville Miragouane. Dans la zone de Satou, il va jouer un fort qui porte le nom de Fort Mallet. Merci d'être suivi cette vidéo. Pas oublier de partager la vidéo, abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour qu'on ait les prochaines vidéos à sortir. Moi-même, je vous dis rendez-vous semaine prochaine. Ciao!